Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute une vidéo sur Dokkan Battle, les gars, showcase, oui, test de la team boss DB Super contre la Blue Zone niveau 6, donc c'est le tout dernier game qui vient de sortir sur la version globale, bien sûr, pour l'anniversaire, pour la P2, et donc on va tester la team boss DB Super à moitié complète, en gros à 98% complète sur 100%, parce que les gars, il manque Selmax, après les gars, la team elle sera incroyablement trop forte, elle sera complète, elle sera au-dessus de tout, les gars. Ce sera une team top tier, j'ai envie de vous dire, les gars. Mais sans Black Goku, oui, on s'en sort. Enfin, sans Cellmax, on s'en sort assez bien. Même très bien, j'ai envie de vous dire, les gars. Donc, c'est pour ça que je vous propose cette petite vidéo où on va un peu parler de tout le monde dans la team. Leurs points forts, leur synergie, les rotas, tout ça, la def, l'attaque, tous les points de la team, les gars, on va les aborder dans cette vidéo. Et en tout cas, j'espère que vous êtes chauds, les gars, voilà, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci à toutes les personnes qui le font, ça fait super plaisir, les gars, merci à vous tous, franchement. Et donc, voilà, je pense qu'on va partir. Avant, je vous présente la team un peu, histoire que vous connaissiez les personnages. De toute façon, je pense que, bon, voilà, vous connaissez déjà la team, les gars. Boss de DB Super avec Broly en leader. Broly Chilai, Freezer Golden, Gata Isamasu LR Tech et Black Rosé, Black Rosé Endurance. Et Gogeta Endurance dès 9 ans. Bon, c'est un peu l'intrus, mais il n'y a pas Cellmax. C'est en soi, c'est un peu une unité fantôme. Dans le sens où, quand il pourra potentiellement taper, faire mal, avancer dans la game. Mais en soi, c'est pas un personnage où on va mourir sur lui ou vraiment il va être tellement incroyable qu'on va même pas voir les autres. On va voir lui, non, il sera pas le plus incroyable dans la game. Et bon, en soi, il est un peu là comme dernier recours, hein, target, soin, tout ça, bref. Sinon, on va vraiment se focus sur les autres, les gars. Et wow, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Les gars, j'ai pas fait la vidéo, genre je fais pas l'intro après la game, je fais l'intro avant la game. Donc ça se trouve, la game elle va durer une seconde parce que je vais me prendre une petite pêche sur je sais pas qui je vais mourir. Je sais pas du tout comment ça va se passer, les gars. J'espère en tout cas que la team elle va passer. Parce que je sais pas moi si elle passe, les gars, on va découvrir ça. Bref, on est parti pour la vidéo. Je crois que j'ai beaucoup débité, les gars. C'est parti, let's go! Bon bah les gars, faire tentation, Black Rosé, Gogeta et Broly. Donc ici les amis, réduction de dégâts de 66%. Ah non. Moins 6, donc on a Gogeta, c'est vrai qu'on a Gogeta, donc moins 6 les gars. 24 plus 30, bah 54 avec du coup la garde activée. Et voilà, donc Black Goku tente mieux que Broly et Gogeta à cette position au premier tour. Ah, les gars, il n'y a pas de secret. Donc ici, Black Goku, on va lui donner ses sphères de qui arc-en-ciel, les gars. Je vous rappelle qu'à chaque sphère de qui arc-en-ciel, il a une attaque portée en plus. Et à partir de 5 attaques portées, il a une SP garantie. Et voilà. Bon, en plus, il donne qui plus de tous les alliés. C'est pas si beau, les gars, la synergie entre tout le monde, les gars. 200k def à l'open, je sais pas les gars, mais en tout cas il a pas lié un boss, donc forcément c'est un peu galère défensivement et offensivement. Et d'ailleurs les gars, la team boss, qu'est-ce qui manque, enfin qu'est-ce qui, c'est quoi le nerf à la team boss là les gars, les terrains, eh oui les terrains les gars, on peut, c'est relou, ah oui, faut le dire les gars, les terrains sont relous. Et je dois vous mentir, si t'as le choix entre terrain Broly, Gata et Black, bah tu terrain Broly. Bah oui, directement. Et ça, c'est vraiment relou. Franchement, faudrait qu'il enlève ce nerf, ce bug, enfin ce problème à la team boss DB Super. Pour qu'on puisse faire le terrain avec tout le monde. Un petit contre, voilà Goku. On peut contrer les attaques de type Kiko, les gars. Donc faudrait vraiment, les gars, qu'ils règlent ça. Parce que bah c'est pénible, c'est chiant, c'est pénible. C'est pourquoi faire d'ailleurs. Faut vraiment qu'ils enlèvent ça, les gars. Qu'on puisse jouer la team. Même il pourrait genre faire des sortes de remplacements, remplacer un terrain par un autre, mais en gardant la transformation. Parce que je rappelle, il y a des personnages qui se transforment via leur terrain. Donc faudrait qu'ils règlent ça, les gars. Ah oui, voilà les gars, faut qu'ils règlent ça, hein, sinon ça va pas le faire. Sinon ça va pas le faire. Le boss ici on va pas le tuer, j'espère.
Je sais pas, peut-être, les gars, Broly, waouh. En fait, même Black Goku, les gars, j'en ai pas parlé, mais waouh, 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 il a fait un joli travail, les gars. Même si sa première forme est pas si incroyable que ça, dans le sens où il a pas vraiment de coup critique ou d'attaque efficace. Parce que du coup, voilà, il a que l'attaque normale. Et vu que j'ai un doublon, bah, des fois il va crit, des fois il va pas crit, les gars. Donc ça, c'est vraiment dommage. Bah, voilà, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas faire le terrain parce qu'il y a des persos vraiment ils ont besoin de ça. J'ai one turn la première phase. Bon, avec Cellmax, ça aurait été encore, ça aurait été pareil. Hein. Mais what? J'ai one turn la première phase, les gars. Wesh, ça va si vite, les gars. La la la. Bah ouais, la rotation est clean. Ok. Bon bah là les gars, voilà. La rotation est parfaite. Hein. Alors défensivement, c'est vrai que j'ai pas jeté un coup d'œil, mais allez, Gataille 200 KD, Broly 240K ou 300 parce qu'il y a le pivot de Golden. Et Golden, bah 100K, 160, 170, 200. Non, pas 200, mais 180. Parce que du coup, il a pas mangé son auto avant de partir en split. Donc, c'est pas ouf. Défensivement. Mais après, la vraie défense, les gars, elle est pendant la rota. Genre, quand elle est lancée. Parce que du coup, Golden, il a sa réduction de zinzin. Avec. Non, il a pas la garde. Il a juste sa réduction. Avec son boost de défense à la première auto qu'il prend pendant 3 tours. Broly stack attaque et def voilà, sur la spell ultime, donc c'est pas mal pendant 4 tours. Ce qui veut dire qu'on va le transfo prochaine apparition. Enfin, non. On va transfo le leader ami, oui, oui, oui. Gata ici, bah, je l'ai mis en 3ème position, même si. Ouais, on va faire la rotation Black Goku et. Ouais, bah. La rotation Black Goku et Gata. Ah non, pas du tout en fait, parce qu'on va pas pouvoir la faire. On va faire ça, les gars. Il y a 7 sphères de ki. En vrai, je préfère prendre les 7 sphères de ki ici, les gars. On va éviter de prendre le moindre dégât en soi. Hein. Non, mais genre. Vas-y, les gars. On joue vraiment. Enfin, on joue pour gagner en soi. Genre là, je me garantis que bah, je vais esquiver toutes les attaques avec Broly Chilei, donc le meilleur first position. Et de mémoire, j'ai pris quoi comme sphère de ki, les gars? J'ai oublié les sphères de ki, de la couleur, je sais pas, je crois que j'ai pris tech, les gars. Donc en gros, on a donné 39% de défense à tous les alliés. Si c'est ça, hein, tech, ouais. Ou si c'est AJ, bah c'est l'attaque. En vrai, on verra, de toute façon, on verra, les gars. En tout cas, Broly, oui, dommage qu'il ait pas lien boss, les gars. C'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé qu'il ait ce petit lien boss, histoire vraiment que la team, elle ait vraiment une synergie de zinzin. On débuffe l'attaque ici, c'est à noter. Black Goku, il peut se faire toucher. Oh bah non, il va pas se faire toucher du coup. C'est esquivé par Broly Chilei. Je pense qu'on a créé des sphères de ki de type AJ. 16 millions. 16 millions, les gars. En plus, ce qui est bien avec la team, c'est qu'elle a pas vraiment besoin de stack. En gros, elle est tout de suite forte. Alors, Black Goku, Golden, Broly Chilei. On a pas vraiment besoin de stack. Bah, ici. On va faire ça. Je veux quand même transfo Gogeta, les gars. Parce que, ouais, on veut transfo Gogeta. Ok, c'est parti, les gars. Ah, Migaté. Voir ça, toi. Mais tu vas faire 0 dégâts. Non, mais franchement, non, pas 0 dégâts en vrai. Hein. Avec l'avantage type, les gars, c'est pas vraiment 0 dégâts, ça, moi je dis. Hein. En vrai, les gars, la team, elle s'en sort vraiment bien, hein, je trouve. Genre, défensivement et offensivement, elle s'en sort vraiment bien.
on a des first slots qui sont vraiment intéressants et incroyables. Et on a des second slots aussi, très très bons d'ailleurs. Et il y a même des unités comment je dis 3 en anglais? Bah, troisième slot, les gars, pas sûr. Troisième slot qui sont superbes, les gars. Et eux aussi qui sont des valeurs sûres, hein, j'ai envie de vous dire, les gars. Donc, en soi, la team est. Quand tu l'ajoutes, c'est une team qui change des autres. Hein. Pour moi qui ai l'habitude de jouer tout ce qui est super, tout ça là, héros des films, héros DBS, Super Saiyan, Saiyan pur, tout ça. Bah, quand tu joues des méchants, ça change, les gars. Genre, ça change de zinzin. Et j'aime bien. J'aime bien de fou, les gars. Donc ça fait plaisir de zinzin. La passion de jouer la team boss DB super. Et oui, ce sera encore plus la passion quand il y aura Cellmax, les gars. Broly, tu fais du Broly. Hein. 12, 13 millions. Lien 10, c'est vrai que les gars, je t'en parle pas des liens, tout ça, des doublons. La team est quasiment tout lien 10, tout le monde. Broly, il n'y a pas de doublon, mais je l'ai mis du crit un peu. Golden, 2 doublons, et je l'ai mis de l'esquive et de l'attaque sub. Parce qu'il a du crit garanti en soi. Et Gogeta, 0 doublon, mais lien 10 quasiment. Avec, bien sûr, il a quoi lui? Je crois qu'il a de l'attaque sup, je sais pas. Gataille, 1 doublon, lien 10, Blagoku, lien 10 aussi, de toute façon j'ai fait son showcase hier. Et bon, les Chilai, 2 doublons, quasiment lien 10, les gars. Quasiment tout, hein, sauf le lien boss. Et voilà. La team est bien. Oui, il est bien. Ok, là les gars, on a le terrain activé de Broly Sama. Ah, c'est dommage qu'on peut pas activer plusieurs terrains, les gars. Ah oui, je me plaindrai toujours, les gars. C'est vraiment dommage. Ici, je pars du principe qu'on va défoncer les boss. Donc, ça veut dire, les gars, je crois une sphère de ki puissance pour augmenter les dégâts de tout le monde en soi. Ah, je pars pas à 24 de ki. My bad. Mais je pense qu'on va quand même défoncer le boss, les gars. 23 millions avec une sorte d'équipe puissance, les amis. Bah, en soi, ça changerait rien que j'en prenne plusieurs, mais voilà. 39% de défense, enfin d'attaque pour tous les allées, donc ça fait plaisir. Avec Broly qui a fait du Broly, les gars, et ça va être masterclass. En fait, tu fais un crit ici, le boss il est mort. Mais my bad, je crois partir à 24 de qui. Bah, il est mort. Il est mort, les gars. Franchement, c'est une dinguerie comment il est trop puissant. Il est tellement puissant. Alors quand tu veux faire le terrain de Broly Black et Gata, et tu fais Broly. Ah oui, tu te poses pas la question. Ici j'aurais pu tenter mettre Broly Blagoku. J'aurais pu tenter de mettre Golden First Position avec ou Black, mais on va être prudent parce que les gars, la rotation qui va suivre va être masterclass, donc je préfère vraiment jouer safe, même si j'aurais pu partir autrement. Et d'ailleurs, Gogeta ici, les gars, Cellmax à la place de Gogeta. Voilà, genre, voyez un Cellmax, voyez pas un Gogeta, voyez les gars, un Cellmax, voyez un Cellmax, les gars, ne voyez pas un Gogeta, voyez un Cellmax. Et imaginez la dinguerie, genre là en soi, t'imagines un Cellmax, il a le target Cellmax, donc ça veut dire on esquive toutes les attaques. Et voilà, c'est Cellmax, les gars. Moi, je le vois, c'est le max. Et plus Gogeta, c'est Cellmax. Donc ici, 3 millions d'eux. On a l'augmentation du terrain, plus le pivot de Golden. Malgré qu'on n'ait pas le lien boss, du coup, ça fait défaut de ça. Mais si, c'est pas mal, en vrai, quand même. 4 millions. Il n'a pas l'avantage. Bon, il a pas l'attaque efficace. Ni de crit. Ouais, pas de crit, les gars. Il est timide un peu. Mais niveau dégâts, c'est pas mal en soi. Ça fait 3-4. Puis les autos, on va pas les compter, mais voilà. Valeur, au niveau des valeurs, ça fait 15 millions. On va plus casser, voilà. Black, 15 millions. Si on est fou, on peut partir dans les 20 millions. Bah ouais, on est fou, on part dans les 20 millions. Ouais, non, mais Black, c'est une très très bonne unité. Même non transfo, c'est une bonne unité, mais une fois transfo, c'est une très bonne unité, les gars. C'est pour ça, genre, tu peux privilégier le terrain de Broly. Au terrain de Black, parce que Black, même quand il est pas trop saut, ça va, genre il s'en sort vraiment très bien. Il a fait le boss à lui tout seul carrément, mais bon. Freezer 2 millions, bon,
c'est normal, il a pas pris son auto, donc forcément c'est moins impressionnant que ce qu'on a l'habitude de voir, les gars. Il a pas fait, je crois. J'ai fait exprès de pas partir à 24 de K avec Gogeta, ou même de pas partir avec une serre de carc-en-ciel. Je veux qu'il fasse le moins d'attaques possible, les gars, c'est normal. En plus, il crit. C'est pénible. Il est pénible, les gars. Il crit quand il faut pas, genre. Ok. J'ai la crit garantie ou... Alors, les gars, bah, GG. GG le boss. J'étais bien battu. Je prends des sphères d'équipe puissance. Pour augmenter les dégâts. De mes... Broly. Ah oui, c'était dès le début. Ah, c'est... Ah. Ah, comme il stun, je crois. Ah, dommage. Ah, les gars, on voulait voir les dégâts de Broly. Dommage. Ouais, 4 millions. Attends, mais il part à combien? On peut pas voir. Oh la dinguerie, les gars. Bon, mon Broly ici qui part à 16 millions. Ah ouais, non, mais si mon Broly part à 16 millions, les gars, le Broly à 1000 d'heure. Eh, les gars, dans les sous-commentaires, vous pensez qu'il serait parti à combien, les gars, en vrai? Vous pensez qu'il serait parti à combien, les gars? Combien? 30 ou plus? Ou moins, les gars? On va partir à combien pour vous? On va s'arrêter là pour ce showcase, les gars. C'était super rapide, mais c'est normal. La team boss DB super, elle est super forte. Et en plus de ça, bah voilà, on s'en sort bien, même si elle est pas complète. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais t'as Gogeta, nanana. Les gars, Gogeta, c'est Cellmax. Voilà. C'est pas Gogeta, c'est Cellmax. Juste qu'il est déguisé en Gogeta. Sinon, c'est Cellmax, les gars. Bref, on se dit à la prochaine. C'était Sino, les gars. A plus tout le monde. Et j'espère que vous avez kiffé cette putain de vidéo. I just wanna eat it.